Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'espère que tout le monde va très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de mars 2022. J'ai tiré les cartes, alors elles sont venues assez rapidement, vos cartes. Vous avez tout d'abord en arcane majeur l'énergie des amoureux, qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez la force dans l'état d'esprit. Vous avez l'étoile en plein cœur de votre tirage, l'empereur en défi. Et ici, vous en avez deux, le magicien et le jugement. Vous avez pas mal d'arcane majeur quand même. Il y en a un nombre assez important. Ensuite, vous avez des deniers, épée, denier, bâton. Bâton et denier, il n'y a pas de coupe. Donc, on est plutôt sur des choses bien concrètes, des choses que vous avez besoin de faire avancer apparemment, mais pas forcément sur l'aspect émotionnel. Vous construisez quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose de solide et vous allez devoir sans doute vous organiser par rapport à ça. Allez, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mars. Donc, c'est l'énergie des amoureux. Les amoureux, c'est une carte, alors bien évidemment, qui va nous parler d'amour, mais c'est aussi une carte qui va essentiellement, en tout cas là, sur l'énergie du mois qui vous accompagne, nous parler de ce que vous allez pouvoir injecter en termes de considération, de priorisation par rapport à ce que vous aimez dans ce que vous vivez. C'est une carte de choix. Comment allez-vous choisir ce que vous allez vivre, ce que vous avez envie de vivre et avec qui vous avez envie de vivre ces choses-là. C'est une carte de choix, c'est-à-dire que vous devez vous positionner avec votre ressenti, avec vos émotions, avec vos désirs, avec ce qui fait que vous avez plutôt tendance à aller dans cette direction plutôt que celle-ci, mais qui va peut-être vous obliger sur ce mois de mars à vous positionner différemment de d'habitude. C'est un choix de cœur qu'il vous est demandé de faire. Enfin, qu'il vous est demandé, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'il est possible que la vie mette sur votre trajet des situations, des relations, des projets, où il va falloir trancher avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos ressentis. Il faut plonger à l'intérieur de soi pour savoir comment on vibre, pour découvrir également comment on va se positionner face à ce que l'on a à vivre. C'est un choix émotionnel en fait. C'est une carte qui exprime les émotions et leurs ressentis. C'est une prise de conscience par rapport aussi aux autres, par rapport aux choix que ça va impliquer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il est possible que ça parle également d'un équilibre que vous avez à trouver. Un équilibre par rapport à ce que vous voulez au plus profond de vous. Vous avez pas mal de deniers dans votre tirage, ce qui veut dire que vous êtes en train de construire quelque chose, que ce soit au niveau matériel, c'est-à-dire professionnel, financier, une maison, des biens, des achats, des choses comme ça. Mais la question qui va se poser, c'est comment vous avez, vous, envie d'évoluer par rapport à tout ça. C'est de ne pas vous perdre de vue peut-être aussi dans tout ça et de ne pas perdre de vue ce qui fait vos vibrations internes, vos pulsations de cœur. Alors, votre état d'esprit, vous avez la force et le roi de denier. La force, c'est le lion, c'est vous. La force, c'est une carte de courage, d'audace, de détermination. Il y a quelque chose que vous prenez vraiment d'une main de fer, avec une sacrée poigne là sur ce mois de mars. Vous entrez dans le mois avec une volonté, vous savez exactement ce que vous voulez et en l'occurrence, peut-être que ce que vous voulez, c'est incarner ce roi de denier qui lui représente la sécurité, la stabilité, l'apaisement de l'esprit parce que tout ce qui est construit est suffisant pour permettre de voir les jours qui viennent tranquillement. Le roi de denier, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très accueillant, qui n'est pas forcément dans l'émotionnel, mais qui peut effectivement sourire à la vie. Il est heureux de ce qu'il a construit parce qu'il y a une forme de satisfaction. Il y a eu beaucoup de travail
en amont pour en arriver aujourd'hui à la situation qui lui permet justement de développer cette sérénité qu'il a et qui lui permet d'envisager l'avenir avec un calme absolu. Il a sécurisé sa maison, ses enfants, sa famille, son mari, sa femme. Il a mis les gens à l'abri, les gens qu'il aime, il les a mis à l'abri. Il a construit pour lui un univers qui est stable où il ne se pose pas forcément de questions. Alors, ça ne veut pas dire que vous baignez dans une situation très stable, mais il y a quelque chose dans votre vie qui est stable, qui porte cette énergie-là de stabilité, de tranquillité, c'est un endroit où vous êtes tranquille. Et vous êtes déterminé peut-être à maintenir cette tranquillité, à continuer à construire cette chose-là, mais en y intégrant, parce que la vie va vous pousser à ça, en y intégrant une notion d'amour. C'est bien de travailler, c'est bien de sécuriser, de stabiliser, tout ça c'est très important, vraiment c'est important pour soi, c'est important pour les gens qu'on aime. Comment vous vous aimez? Comment vous aimez l'autre? Comment vous aimez cette situation-là? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, tout ça? Avec la force, il y a quand même cette notion, il y a toujours cette notion avec la force de quelque chose qui se mesure. Vous allez peut-être mesurer la part de travail un peu, peut-être un petit peu désincarné. Pas déshumanisé, mais désincarné, en tout cas au niveau de l'émotionnel. Vous avez mis vos émotions de côté pour construire quelque chose. Et peut-être que sur ce mois de mars, ben justement, il va falloir faire rentrer de nouveau cette notion dans votre existence, peut-être au niveau sentimental. Faire rentrer quelque chose dans votre existence, parce que quand on laisse trop longtemps les émotions de côté, ben, finalement, ce qu'on construit, c'est bien, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est vraiment agréable à vivre, c'est tranquille, enfin, ça tranquillise, on n'est pas, voilà, on se sent pas en péril, tout va bien, il manque quelque chose. Et c'est peut-être ça, mais par contre, vous êtes déterminé, vous voulez avancer. Qu'est-ce qui vous a conduit vers tout ça? C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que vous avez mis un petit peu les émotions de côté. C'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'une blessure dans le cœur. Quelque chose qui a vraiment visé pile dans la cible. Et en l'occurrence, la cible à ce moment-là, pour cette chose-là, c'était vous et c'était votre cœur précisément. Et ça n'a pas raté la cible. La 3 d'épée, ça nous transperce, c'est un chagrin, c'est un deuil, c'est quelque chose qui nous bouleverse, c'est quelque chose dont il faut se relever et ça prend du temps, mais c'est derrière vous. C'est-à-dire que peut-être que c'est à la suite de quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a profondément impacté, marqué. Peut-être à la suite de ça, justement, vous avez décidé de vous atteler à sécuriser quelque chose dans votre existence, mais en laissant vos émotions de côté, parce que ce que vous avez connu là, ça a été très puissant pour vous, ça a été très fort, ça vous a vraiment touché. Donc, parfois, on passe par des moments comme ça où on a besoin effectivement de mettre de côté tout ce qui peut émotionnellement réveiller une blessure. Et on s'engouffre dans le travail, on s'engouffre dans ce qu'on est en train de construire avec les gens qu'on aime, avec les équipes de travail. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est cette période-là où vous avez eu le cœur qui a été profondément touché par quelque chose. C'est cette période-là qui vous a amené vers ce mois de mars où vous allez vous positionner en termes de choix sur l'aspect émotionnel des choses. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 10 de deniers. Entre le roi de deniers, la 10 de deniers, ici vous avez l'empereur, c'est quelque chose votre tirage. La 10 de deniers, ça représente justement ce bien-être, ce bien-vivre, cet art de vivre, ce moment où on profite avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, ce moment où on n'a pas de questions à se poser, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de boucler quelque chose et je pense que le fait de le boucler, ça va vous permettre justement
de remettre un petit peu d'émotion dans ce que vous avez terminé. Vous avez fait un travail remarquable, colossal avec les deniers. On est bien dans le travail, même si c'est un travail sur vous. Peut-être que pour vous relever de ce chagrin, de cette peine, de ce qui vous a bouleversé là, il aura fallu faire un énorme travail sur vous. C'est tout à fait possible, parce que les deniers, c'est bien évidemment la matérialité, ce sont aussi nos valeurs, c'est ce qu'on a envie de défendre, c'est ce qu'on a envie de transmettre, c'est ce qu'on a envie d'ancrer, c'est ce qu'on veut comme phare dans notre existence en termes de valeurs, d'idéaux. Donc, ça peut correspondre à ça. Ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir profiter de ce que vous avez réussi à construire, de ce sur quoi vous avez travaillé, parce que ça a été un dur labeur. Il y a cette notion de dur labeur avec les deniers toujours, hein. Souvent, on voit des gens qui travaillent la terre, on met des graines dans la terre, on laboure la terre. Donc, il y a cette idée-là d'avoir quelque chose qui a été laborieux et qui s'est construit avec du temps, avec de la patience, avec de la sueur, avec de l'exigence également, parce que ça ne se construit pas comme ça. Et il a fallu passer des heures parfois, véritablement. Et donc, ce que vous voulez, c'est profiter de ça, de tout ce que vous avez construit jusque-là. Ce qui va venir vous aider, c'est l'étoile. Ce qui va venir vous aider, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver. Il y a quelque chose qui vous fait envie. L'étoile, c'est un espoir. Et c'est un espoir qui arrive souvent après une période difficile, c'est-à-dire que ce qui va venir vous aider, c'est de comprendre que maintenant que ce chagrin-là est derrière vous, vous avez la possibilité d'ouvrir de nouveau la porte à quelque chose sur le plan émotionnel. Quand on est touché en plein cœur, on n'a plus trop envie d'ouvrir son cœur. Avec l'étoile, vous allez comprendre qu'il est peut-être temps pour vous, justement, de reconsidérer les choses différemment et de pouvoir faire ce choix, de vous bagarrer, de vous positionner et de faire que votre identité ne soit pas dépourvue de l'espoir. Vous avez besoin de ça. On a besoin de plein de choses dans la vie. On a besoin bien sûr d'un toit, on a besoin d'argent, on a besoin de se sentir bien dans les relations, de se sentir en sécurité dans ce que l'on vit, mais on a besoin d'amour. Je veux dire, sans l'amour, qu'est-ce qu'on va faire dans toi? C'est parfait, c'est très bien, mais on a besoin d'amour, on a besoin d'humain, et puis ce sont des temps qui sont un petit peu agités, donc c'est aussi le contact qui nous a manqué, c'est aussi la relation à l'autre qu'il va falloir réinventer, et c'est pas toujours évident après une période comme celle que nous venons de traverser. Qui plus est, vous avez été impacté par quelque chose, donc c'est peut-être moins évident encore pour vous. Mais c'est là, et c'est ce qui va venir vous aider sur ce mois de mars. Votre défi, c'est l'empereur. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont vraiment très belles. Si ça vous intéresse, vous avez le nom du jeu et de sa créatrice dans la barre d'infos. L'empereur, votre défi, va être de construire tout ça. L'empereur, c'est un personnage qui est un peu austère, comme ça, qui est souverain dans son royaume et qui... Quand il décide les choses, il dit aux gens avec lesquels il est, c'est là que je veux aller et c'est là que tout le monde doit aller, c'est là qu'il faut aller. Peut-être que votre défi, ça va être de prendre la main justement et de ne pas le faire d'une façon trop rigide, de ne pas le faire parce qu'il a aussi, s'il a de grandes qualités de, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer. Il développe quelque chose, il construit quelque chose, l'empereur. Peut-être que là, il va être question pour vous parce qu'il le fait avec une certaine austérité, il a quelque chose un peu rigide comme ça, c'est une figure imposante, c'est un empereur en fait. Donc il y a quelque chose qui est droit, qui est ferme, il faut que ça file tout droit, ça. Voilà, c'est décidé, c'est là que je veux aller, j'ai pas le temps de m'amuser. Peut-être que votre défi, il est justement de prendre le temps de sourire, de prendre le temps d'être un petit peu moins austère, un petit peu moins rigide, d'arriver à faire craquer la carapace, le costume, et pour réinjecter, on parle d'amour, hein. Le choix, c'est un choix de cœur. Donc, c'est comment vous allez pouvoir remettre de l'amour dans ce que vous vivez, dans ce que vous construisez, dans ce que vous avez à partager. C'est pas
un grand défi, mais je pense que c'est la clé de votre moi. C'est vraiment la clé parce que tout est bien, tout va bien dans l'ensemble. La force, le roi, l'empereur, on est l'étoile, indice qui se pose en denier. Je veux dire, tout va très bien dans la situation. Pourtant, il vous manque quelque chose. Il vous manque cet équilibre qu'il va y avoir entre les choses qui sont très concrètes et puis les choses qui sont plus subtiles, qui sont plus émotives, qui sont... Voilà, il vous manque quelque chose comme ça et vous avez tellement construit, vous avez tellement travaillé, parce que ce n'est pas juste une construction, c'est un véritable travail, vous avez tellement travaillé que pour faire entrer cette notion, c'est un peu complexe, il faut trouver l'ouverture en fait. Au niveau professionnel, vous avez la 10 de bâton. Il est temps d'en voir le bout. Alors, je ne sais pas de quoi. Soit de démarche, soit d'un travail harassant, de pouvoir déléguer certaines responsabilités. Vous avez pris en charge beaucoup de choses. C'est une 10, ça veut dire que vous êtes sur une fin de cycle. Mais ça ne m'étonne pas parce que ce soit la 10 de denier ici ou le roi de denier, vous avez travaillé mais sans relâche. Sans relâche. Alors même si vous pouvez être fier de vous, il va être temps de souffler un petit peu aussi. Il va être temps de vous ménager un petit peu. Vous portez sur votre dos exactement, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, mais c'est un personnage qui ramasse des fleurs et qui, au fur et à mesure qu'elle les ramasse, c'est sur son dos et ça s'accumule et ça s'accumule. Et à un moment donné, il va bien falloir aller les déposer quelque part, ces fleurs. C'est bien, vous avez travaillé, vous avez planté vos graines, les fleurs ont poussé, tout va bien. Mais là, vous êtes fatigué au niveau professionnel, donc prenez le temps. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez fait énormément de démarches pour trouver un emploi. Là, vous pouvez difficilement aller au-delà. Il va falloir maintenant respirer un petit peu. Et puis ça ouvre la perspective au valet de bâton. Ça ouvre une perspective au valet de bâton qui arrive juste après, qui représente les opportunités. Donc, il y a quelque chose derrière, hein. Prenez du temps, ménagez-vous un petit peu, soufflez, reposez-vous. Accepter de faire les choses peut-être un tout petit peu différemment, avec moins de rigueur, moins d'austérité, moins de responsabilité. Accepter de relâcher un petit peu. Au niveau sentimental, deux arcanes majeures, le magicien et le jugement. Alors, le magicien, c'est une carte d'une intelligence que j'adore. Le magicien, c'est forcément quelqu'un qui est capable d'harmoniser plein de choses, hein, d'harmoniser des choses improbables parfois, et puis d'harmoniser ces trois petits bouts de ficelle qu'il a là sous la main. Il a vraiment pas beaucoup d'outils, le magicien, mais il est tellement talentueux qu'avec très peu de choses, il est capable de vous inventer un paradis. Il fait sortir de son chapeau les plus belles créations. Et puis le jugement, qui est une carte de renaissance. Attendez, qu'est-ce que vous aviez, vous les lions? Qu'est-ce que vous avez pour le semestre? Vous vous battez pour pérenniser quelque chose. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, vous voulez vraiment donner. Il y a quelque chose qui est très important pour vous et qui va nécessiter quand même de passer par une phase de transformation. De transformation. Là, vous avez à peu près 3 mois. 3 mois où vous allez gravir des étapes, vous allez faire un pas après l'autre. Mais chaque palier va être très important, très significatif et aussi déterminant pour la suite. Le magicien, il attrape et il fait des miracles. Et puis le jugement, ça vous réveille. Donc, sur le plan émotionnel, sentimental, si vous êtes en couple, vous êtes en train d'inventer d'une nouvelle façon votre relation à l'autre, et c'est quelque chose qui agit sur vous comme une renaissance. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, il est possible que vous ayez un pouvoir de séduction hors norme, quelque chose qui arrive véritablement comme un second souffle pour vous. Peut-être si vous êtes célibataire que vous avez traversé ici un chagrin d'amour, c'est possible, et que vous êtes... Pendant un temps, il n'était plus question d'amour pour vous. Il fallait penser à autre chose. Il fallait vous projeter dans autre chose.
Du coup, l'espoir est revenu, ce qui fait que là, sur le mois de mars, ben, l'espoir, il est entre vos mains et ce que vous êtes capable d'en faire, c'est sublime. C'est sublime et puis ça vous permet d'ouvrir de nouveau votre cage thoracique et de respirer différemment. Si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas forcément dans une perspective d'une relation, c'est simplement que dans vos autres relations amicales, sociales, familiales, vous êtes capable effectivement d'amener des choses, on reparle de l'amoureux, on reparle de ce choix, d'amener des choses qui vont peut-être surprendre les personnes qui vous entourent. Et ces nouvelles choses, ça va vous permettre de considérer vos relations d'une façon très différente de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Le jugement, c'est vraiment une renaissance, c'est une seconde chance aussi. Ça peut être dans une relation qui a été peut-être un petit peu compliquée. Ça peut être aussi l'idée que vous êtes suffisamment malin ou maligne pour arranger les choses et puis les présenter de telle façon qu'il y a une seconde chance. Plusieurs cas de figure possibles. Adaptez-le à ce que vous vivez, bien évidemment. Comment vous vous sentez durant ce mois de mars? C'est la 7 de bâton. Je vous parlais tout à l'heure de paliers que vous allez gravir pendant ces 2-3 prochains mois. En voilà un. C'est un premier palier. Ce mois de mars, pour vous, ça correspond à quelque chose que vous avez atteint et quelque chose que vous voulez absolument défendre. Vous avez travaillé, on l'a vu, dans ce sens. Vous avez fait des choix qui ont été importants. Vous avez eu la patience d'attendre. Vous vous êtes bagarré. Maintenant, vous allez défendre le palier sur lequel vous êtes arrivé. Donc, ce n'est pas forcément de tout repos, parce que ça veut dire également qu'il va falloir rester stable. En même temps, avec la force ici dans votre état d'esprit, vous allez parfaitement y arriver, vous maîtrisez, vous avez du sang-froid, vous êtes capable de vous mesurer aux choses, vous n'avez absolument pas peur, vous ne reculez absolument pas. Donc, ce que vous allez défendre, c'est vraiment l'endroit où vous en êtes aujourd'hui. Il n'est pas question qu'on y touche. Il n'est pas question qu'on le mette en péril, voilà, question de rien. Qui plus est, vous avez des choses à reconfigurer d'une certaine façon. Du coup, vous allez prendre le temps aussi de vous poser. Et ça va vous donner cette possibilité de bien vous imprégner de tout ce que vous êtes en train de vivre et puis de pouvoir effectivement défendre en toute sérénité et en toute tranquillité ce que vous avez déjà acquis. Alors, ce qui est étonnant, pardonnez-moi pour ce petit blanc, ce qui est étonnant, c'est que tout a l'air d'aller tellement bien, je ne sais pas ce que vous défendez en réalité. J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez défendre. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait un pas, vous comprenez qu'il est temps de réouvrir un petit peu votre cœur, vous avez un charme fou, une énergie très puissante sur ce mois de mars. Vous avancez, vous continuez d'avancer vraiment, et je ne sais pas ce que vous défendez. Je ne sais pas ce que vous défendez. Vous devez le savoir. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est le valet de Denier. Le valet de Denier, alors lui, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être évidemment une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle idée, peut-être même une nouvelle émotion, même si avec les Deniers, encore une fois, on est dans un domaine qui est bien concret, qui est matériel, qui est bien réel. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, d'encore un petit peu immature et qui a encore besoin de faire son chemin. Mais quelque chose qui vous permet de vous projeter. Ici, que ce soit avec le roi de denier ou le 10 de denier, on a ce sentiment d'aboutissement. Ce qui fait que quelque chose n'est pas abouti, c'est cet espoir qui est en plein cœur de votre tirage. Donc, il y a quelque chose dont vous allez prendre infiniment soin. On le voit bien, là, le personnage prend soin de cette très très belle fleur qui a commencé à pousser, mais elle porte d'ailleurs son arrosoir sur le dos, parce qu'on ne sait jamais la fleur peut avoir soif. Mais c'est prendre soin de cette fleur parce qu'elle a encore à grandir et on est là aussi dans quelque chose qui se projette. Vous regardez l'avenir. Vous regardez l'avenir et vous mettez en route quelque chose
de nouveau, en tout cas de jeune. C'est pas forcément une idée très nouvelle, c'est peut-être quelque chose qui a déjà fait un petit peu de chemin. Vous y avez déjà réfléchi, vous y avez peut-être déjà travaillé, vous avez peut-être déjà mis en place certaines choses, si c'est par exemple dans du relationnel. Mais c'est quelque chose qui est quand même jeune, immature, qui est encore vert et qui n'attend que ça de pouvoir se développer, se déployer et puis prendre sa place dans votre existence. Donc ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois et vous aurez le mois prochain l'impératrice. Effectivement, on est bien sur un... Ça peut être un nouveau projet pour certains d'entre vous ou quelque chose dans une activité que vous allez peut-être amener quelque chose de nouveau. C'est possible. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura au moins donné des pistes de réflexion, des questionnements, je ne sais pas. Merci infiniment pour votre présence. Merci également pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Vous savez qu'ils sont importants pour moi et pour la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Je vais m'organiser pour vous proposer une lecture. Vous savez, les petites parenthèses que je propose, hein, que j'ai mis en place, je crois que c'était il y a 2 mois environ, dans un format beaucoup plus court avant les prochaines vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, merci vraiment pour tout. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis prenez le temps de savourer chaque instant. Prenez le temps de voir ce printemps arriver. Merci pour tout, à très bientôt.